Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce premier séminaire de l'axe numérique, un des cinq axes du réseau Francophonia. Nous allons donc ouvrir ce premier séminaire par les mots de circonstance et une conférence de notre collègue Frédéric Coupa. Je vais donc son transition, inviter Giovanni Agresti, le coordonnateur de Francophonia, à prendre la parole pour les mots de bienvenue. Merci, merci chers collègues, merci cher Alain Kyindou. Je me félicite de cette journée sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle qui représente un temps fort du réseau francophonéen, donc le réseau de recherche néo-aquitain sur les francophonies, qui a été mis en place il y a bientôt 2 ans, Oui. 2 ans et demi, une phase d'amorçage. Là, en fait, le premier anniversaire de la phase de consolidation. Et en effet, les cinq axes qui représentent l'articulation du réseau, donc je rappelle, pour ceux qui connaissent un peu moins le réseau francophonéen, donc axe numérique, axe développement durable, axe des transferts, axe création et culture, axe éducation et plurilinguisme, la région Nouvelle-Aquitaine, que je remercie évidemment à chaque événement, à chaque animation culturelle, du soutien, nous incite à travailler de manière pluri- et transdisciplinaire et, qui est moins évident, ce qui est moins évident, de manière interétablissement. Donc les 6 universités de la région, Université de Pau et de Pays de l'Adour, Université de Bordeaux, Université de Limoges, Université de Poitiers, Université de La Rochelle, Université Bordeaux-Montaigne, chef de file, travaillent ensemble. Hein. J'ai plus les chiffres exacts concernant le nombre de chercheurs, mais je sais que nous avons à peu près une quarantaine d'unités de recherche impliquées dans ce réseau. La présentation officielle a eu lieu à l'hôtel de région fin juin de cette année. Donc, nous sommes bien, bien partis et je me félicite donc du travail mené de manière si impeccable par Alain Kyindou dans le cadre de l'axe numérique avec évidemment les autres animateur et référent d'axe, notamment Cécile Chantraine de La Rochelle et Françoise Appel de l'Université de Pau. Donc vous avez compris, on accepte d'affronter la complexité et le thème d'aujourd'hui est ô combien en phase avec cet esprit francophonien. Donc les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle questionnent un thème tout à fait de grande actualité qui partage les avis. Bon, je suis pas spécialiste, je suis linguiste. Vous savez, personne n'est parfait, donc. Mais néanmoins, je trouve aussi que dans le cadre des sciences du langage, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente sous forme de traducteurs automatiques, de plus en plus performants, de big data qui permettrait. Ça, c'est un questionnement auquel moi-même j'ai un peu participé, qui permettrait de revaloriser. Mais, il y a un point d'interrogation, les langues en voie de disparition. Et donc les enjeux sont, même dans les sciences du langage, sont de taille. Mais il me reste plus que, pour terminer mon court propos, en souhaitant une belle journée de travail, une belle collaboration fructueuse. Je pense que nous sommes bien servis concernant les rafraîchissements parce que nous aurons besoin de beaucoup d'énergie aujourd'hui pour bien travailler, aussi dans une perspective de partenariat
Je vous invite d'ores et déjà à l'Assemblée générale du réseau francophonéen qui aura lieu les 8 et 9 décembre. Ce sera la grande fête de Francophonia, tous les axes réunis, une première journée en interne et une journée le 9 décembre de restitution publique où on fera un premier bilan de l'année. Je souhaite donc un excellent travail et pour ma part, je veux croire que cette journée apporte une pierre, une contribution à une réflexion courageuse, pas forcément mainstream. Je pense d'ailleurs que les universitaires, nous avons un peu le devoir d'aller un tout petit peu, voire beaucoup, contre courant, parce que le courant, il est déjà porté par d'autres. Et surtout, l'intelligence artificielle impose un devoir de vigilance. À chaque innovation de la science et de la technique, souvent, les sciences humaines et sociales sont arrivées après, et pour faire le bilan des morts. Et donc, j'espère que là, on n'est pas trop en retard, en tout cas sur l'innovation technique, qui repose sur une question toute complexe et simple à la fois. Dans les sciences dures et les techniques, l'accumulation est beaucoup plus facile que dans les sciences humaines et sociales, où le terrain est beaucoup plus mouvant. Voilà, je m'arrête et je passe la parole à Madame la vice-présidente de l'Université Bordeaux-Montaigne. Je remplace dans cette fonction Alain Kidou. Je vous souhaite vraiment une belle journée et je vous remercie, notamment les collègues qui ont fait un long déplacement, parfois d'au-delà de l'Europe. Merci. Chers et chers collègues, bonjour. Merci à toutes et à tous d'être là pour ce séminaire sur l'axe numérique du réseau Francophonia. C'est un grand plaisir pour moi d'être présente, d'ouvrir à l'invitation d'Alain et de Giovanni cette journée. Je suis Nathalie Jaec, je suis professeure de littérature britannique du 19e siècle, à une époque où l'intelligence artificielle commençait déjà à être évoquée, par exemple, par l'un des grands auteurs de science-fiction, H.G. Wells, on a essayé de le faire avec Sandro Landi dans cette université européenne qui montrait comment la littérature avait des stratégies d'anticipation, roman qui aborde beaucoup de questions dont je vois qu'elles sont devenues abordées par les sciences dures aujourd'hui. Donc voilà, je suis professeure de littérature britannique du 19e siècle et je suis en ce moment la vice-présidente de recherche de l'Université Bordeaux-Montaigne. Donc c'est à ce titre qu'il m'est donné le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Un petit mot sur le réseau. Ce réseau 3R, ce dispositif général des réseaux 3R tel qu'il a été décidé et monté par Gérard Blanchard dans la région Nouvelle-Aquitaine, est à mon sens vraiment un dispositif complètement inédit parce qu'il nous donne le temps, 4 ans, hein, en plus l'année d'amorçage, de créer des réseaux sur des objets décidés comme étant d'importance stratégique au niveau de la région. Et c'est très précieux, parce qu'en général, le temps court nous est, à mon avis, très dommageable. Et ici, on a, avec ces réseaux, la possibilité de s'organiser, de créer des communautés de travail. Et c'est extrêmement précieux. Je trouve ce dispositif vraiment absolument central. Donc l'Université Bordeaux-Montaigne a été désignée, a été choisie pour porter ce réseau. Et donc je remercie bien sûr Giovanni Agresti, qui en est le coordinateur, ainsi qu'Omar Fertat et Mariella Causa, qui le seconde dans cette animation. Et puis, c'est difficile de ne pas remercier Oumu, qui est là-bas tout au fond, mais qui, comme d'habitude, comme à son habitude, organise les choses de manière à la fois très impeccable et très amicale. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Je ne pourrais pas rester aujourd'hui parce que, voilà, c'est les travaux de vice-président. Il y a d'abord une cérémonie d'hommage pour le 11 novembre tout à l'heure et ensuite diverses choses qui font que je ne pourrais pas rester, mais je vous souhaite un bon séminaire. Donc dans ce cadre, il s'agit de la première rencontre officielle du premier séminaire des membres de l'axe Francophonie numérique, qui est l'un des 5 axes du réseau. Et donc merci beaucoup à Alain Kiguindou, comme l'a dit Giovanni, à Cécile Chantraine pour l'Université de La Rochelle et Françoise Appel pour l'UPPA. Cette rencontre donc est à l'initiative de cet axe, mais elle favorise, comme le réseau s'en est donné la mission, une sorte de croisement
entre les différents axes du réseau. Et ça, je crois que c'est fondamental, et notamment sous cette forme un peu informelle d'atelier dans laquelle vous allez vous retrouver, là encore, le format très contraint des colloques laisse place à une discussion. Et ce réseau, je crois, favorise ce type de format alternatif et donne le temps d'échapper à ces formes-là, et c'est là à nouveau très précieux. Je suis comme Giovanni, je ne suis certes pas spécialiste de l'intelligence artificielle, mais bon, pour ces introductions, pour qu'elles ne soient pas strictement protocolaires et universitaires, je me demande toujours à quel angle pour moi cela évoque. Et cette fois-ci, ça a évoqué pour moi, bon, mis à part évidemment le rôle centrale, comme l'a dit Giovanni encore, que les sciences humaines et sociales doivent pouvoir jouer sur ces questions d'éthique fortes, ça évoque pour moi l'exemple de la traduction. C'est un exemple qui m'intéresse parce qu'on est dans un champ où l'intelligence artificielle progresse énormément. Elle rend d'énormes services quasiment immédiats. Vous connaissez peut-être, après les très mauvaises performances de Google là-dessus, de Google, comment, je ne sais même plus comment il s'appelle, Google Translator, les compétences extrêmes de DeepL, qui obtient des résultats vraiment très excitants, vraiment bluffants, et notamment dans les langues où les bases de données sont très très grandes, comme la mienne, comme l'anglais, où en un clic, on arrive à traduire 40 pages de texte. Donc un impact qui peut sembler positif, un impact de service immédiat, disons, qui est évidemment très tentant, mais qui m'intéresse aussi parce que cette traduction, c'est une activité quand même fondamentalement notamment dans le contexte de la francophonie, c'est pour ça aussi que je prends cet exemple, c'est une activité que nous, universitaires, peut-être un peu conservateurs, jugeons comme une activité essentiellement quand même de transactions humaines et d'exploration subjective de l'autre langue, de frottement entre deux systèmes qui sont certes linguistiques, et donc très techniques, on pourrait dire, mais qui sont sociaux, sociolinguistiques, psychologiques, historiques, et donc une traduction qui a une forme de profondeur essentielle dont l'enjeu même est un peu l'épreuve que l'homme peut faire de la différence par le biais de la langue, et dont on s'aperçoit bien à la traduction qu'elle conserve une forme d'irréductible. Donc l'impact de l'intelligence artificielle dans ce domaine est très fort, il n'est pas anodin. Il y a d'abord un premier impact que l'on pourrait appeler de remplacement, ou un impact de caducité, et ce topos du remplacement de l'homme par la machine, je parlais de Wells tout à l'heure, c'est un petit topos fondamental. Est-ce que l'intelligence artificielle va rendre l'homme caduque? Ça se pose de manière très pratique. La ligne traduction que nous avions sur le budget recherche de l'université Bordeaux-Montaigne diminue comme peau de chagrin parce que tous les textes techniques, on les passe sur DeepL. Voilà. Donc une sorte d'enjeu de caducité qui est devenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, un lieu commun de la science-fiction. Et de fait, il y a de nombreux stages pour lesquels on n'emploie plus de traducteur. On passe le texte à la machine et puis on a ça. Et puis, il y a un impact qui me semble un peu plus épistémologique. Et c'est pour ça que je trouve très intéressant qu'il y ait des colloques, des séminaires comme les vôtres. Un impact un peu plus épistémologique qui nécessite, du fait de l'intervention de cette traduction automatique, qui nécessite de penser à nouveau frais la question même de la traduction. Et dans le contexte de la francophonie, je pense que c'est important. Ce qu'elle implique d'un partage, d'un environnement langagier. Dire que la traduction est fondamentalement une activité humaine, une activité de contact et d'échange, une prise en main, une prise en langue d'une différence, c'est peut-être de fait une position finalement assez conservatrice, comme je le disais, une position d'ultra-humaniste, ça devient ça un peu quand on parle d'intelligence artificielle, ou tout ce qui relève du post-humain, une notion qui a remplacé dans les études littéraires l'idée de science-fiction, on parle désormais de post-humain. Donc une position d'ultra-humaniste où tout ce qui serait finalement tout ce qui relèverait du post-humain serait à bannir. Alors cette position-là, évidemment, il faut la travailler, et je pense qu'on est là pour ça, et c'est pour ça qu'il est à mon sens très très important que les sciences humaines et sociales se penchent de fait, comme vous le faites, sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, les historicisent, très important, et en pensent la complexité. Donc voir, on est ici dans le cadre de Francophonéa, voir ce que la situation particulière de la francophonie ou des francophonies ajoute à cette question permettra sans doute de l'étoffer de dimensions géographiques, linguistiques, politiques. Et c'est donc une très belle journée qui s'annonce. Je vous la souhaite très riche, très intéressante. Et puis, je vous
Et puis voilà, j'ai fini. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.